Je l'ai mis dans mon cœur et j'ai crié Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh. Je l'ai mis dans mon cœur et j'ai crié Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh. Je l'ai mis dans mon cœur et j'ai crié Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, oh. Je l'ai mis dans mon cœur et j'ai crié Alléluia, oh. Je l'ai mis dans mon cœur et j'ai crié Alléluia, oh. J'ai vu Jésus là-haut, là-haut. J'ai vu Jésus sur la terre, sur la terre. Je l'ai mis dans mon cœur et j'ai crié Alléluia, oh. Je l'ai mis dans mon cœur et j'ai crié Alléluia. Oui, j'ai vu Jésus là-haut, là-haut. J'ai vu Jésus sur la terre, la terre. Je l'ai mis dans mon cœur et j'ai crié Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, oh. Je l'ai mis dans mon cœur et j'ai crié Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, oh. Je l'ai mis dans mon cœur et j'ai crié Alléluia, oh, Alléluia, le Dieu de Moïse, loué. Alléluia, le Dieu de Moïse, loué. Alléluia, Alléluia, le Dieu de Moïse, loué. Alléluia, Alléluia, le Dieu de Moïse, loué. L'éternel dans ma vie.
louange restera toujours sur ma langue. Je bénirai l'Éternel dans ma vie. Oh, ses louanges resteront toujours sur ma langue. Alléluia, le Dieu de Moïse est loué. Alléluia, 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 alléluia, le Dieu de Moïse est loué. Est-ce que tu peux te lever? Alléluia, alléluia, acclamez le Seigneur Jésus-Christ par notre chant. Alléluia, loué. Alléluia, alléluia, le Dieu de Moïse est 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 loué. Alléluia, le Dieu de Moïse est acclamé. Alléluia, le Dieu de Moïse est acclamé. Alléluia, alléluia, le Dieu de Moïse est acclamé. Alléluia, alléluia, le Dieu de Moïse est acclamé. Je te rends gloire,
Jésus, il t'a présent.
I'm
Jésus revient, 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 Jésus rev
Fire, 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 fire
Thank you.
Bye.
Ibo. Eh, Koto Ibo. Ah, Koto Ibo. Ah, Koto Ibo. Allons-y, 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 allons
Jésus, 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 Jés
Gloire à Jésus. Rapidement, va saluer un frère, va saluer une soeur. Dis-lui que tu l'aimes de l'amour de Christ. Prends-le dans tes bras. Fais-lui à tout. Fais-lui à tout. Fais-lui à tout. Dis-lui que tu l'aimes de l'amour de Jésus, mon bien-aimé. Dis-lui que tu l'aimes de l'amour de Jésus. Dis-lui que tu l'aimes fortement. Prends quelqu'un dans tes bras. Évidemment que les hommes embrassent les hommes. Et que les femmes embrassent les femmes. Va saluer quelqu'un. Sors de ta rangée. Va saluer quelqu'un. Prends-le fortement dans tes bras. Va la saluer. Dis-lui que tu l'aimes fortement. Dis-lui que tu l'aimes de l'amour de Christ. Souhaite-lui le aquaba. Le aquaba céleste. Souhaite-lui le aquabo céleste. Souhaite-lui le aquaba céleste. Souhaite-lui le agioka céleste. Souhaite-lui le nanamo. Souhaite-lui le aquabo. Souhaite-lui ayoka. Anne ayoka. Tabitha ayoka. Maman Esther, Annie son maman. Papa Isaac. Man breaks you. Apôtre Jean-Jacques, I love you. Souhaite la bonne, arrivée à quelqu'un. Prends-le fortement dans tes bras et dis-lui que tu l'aimes. Tu l'aimes de l'amour agapé. Tu l'aimes de l'amour de Jésus, mon bien-aimé. Il est bien de se sentir aimé dans la maison de Dieu. Il est bien de se sentir aimé dans la maison de notre Seigneur Jésus. Souhaite-lui bonne arrivée, mon bien-aimé. Prends-le dans tes bras. Et dis-lui que tu l'aimes de l'amour de Christ. Donne de l'amour à quelqu'un. Donne de l'amour à quelqu'un ce soir. Donne-lui de l'amour. En le prenant fortement dans tes bras. Et dis-lui, je t'aime de l'amour de Christ. Dis-lui, apôtre Jean-Jacques, ayoka, ayo. Dis au jeune Moïse, au jeune chante Moïse. À quoi pas? Dis à David, mais personne n'a servi à David le caméraman. Personne n'a servi à David. Et les caméramans, on ne leur donne pas de l'amour. Alors, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, il est impérieux pour nous de donner de l'amour aux uns aux autres. Il est impérieux pour nous d'en recevoir. Alléluia. 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 Aimé et de donner de l'amour en un point fini. Jésus. Alléluia. Personne n'est venu me faire à tout. Personne n'est venu faire à tout au docteur Élie. Personne n'est venu faire à tout, On ne traverse pas la chair. Alléluia. Non. Celui-là, il est sacré, ce ne sont que pour ceux que Dieu établit pour conduire. Merci. Je t'aime de l'amour de Christ. Je t'aime de l'amour de Christ, mon fils. On a oublié les hommes de Dieu. Nous aussi, on a besoin d'amour. C'est pas normal. À tout. Ayoka. Ayolé, ayoka. À quoi bon, je vous aime de l'amour de Christ. Ruth, mon mestre, Marie,
Je vous aime de l'amour de Christ, Esther. Je vous aime de l'amour de Christ, Marc. Je vous aime de l'amour de Christ. Je vous aime de l'amour de Christ. Je vous aime de l'amour de Christ, Rebecca Anne. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Je vous rends que le Seigneur vous bénisse. Grâce. Je vous aime de l'amour de Christ, Sarah. Marie, je vous aime de l'amour de Christ. Soyez la bienvenue. Je vous aime de l'amour de Christ, Marie. Je vous aime de l'amour de Christ. Alléluia. Ça fait du bien. Man of God, welcome. Alléluia. C'est ça, Christ. C'est ça, Christ. Dehors, nous sommes mal aimés. Dehors, les gens de la haine prononcent. Dehors, nous sommes calomniés. Dehors, les gens disent beaucoup de méchanceté de nous. Alors, lorsque nous arrivons dans la maison de Christ, le minimum que nous devons faire, c'est de prendre quelqu'un dans ses bras et de lui dire « Je t'aime ». Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela fait à l'âme de se sentir aimé. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela fait au corps de se sentir aimé. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela fait à l'esprit lorsqu'on se sent aimé. Alléluia. Matthieu 22, verset 39 dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est là le second commandement. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu veux qu'on te fasse, commence déjà par le faire aux autres. C'est très important. Alléluia. Bien-aimé, je veux te rassurer. Le livre de Philippiens 4, verset 13 dit « Je prie tout par celui qui me fortifie ». Hier, le Seigneur est en train de me dire, il prend plaisir à ce moment. Il m'a dit, cette dernière phase. Alléluia. 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 Gloire à Yahweh. Gloire au ressuscité. Gloire au Dieu vivant. Gloire à l'Alpha et à l'Oméga. Gloire au Dieu tout-puissant. À celui qui était, qui est et qui vient. Gloire au Dieu puissant. À celui-là qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui se meut dans les cieux et dans la terre. Bien-aimé, ce n'est pas fini. Le Seigneur m'a chargé de dire à son église, le Seigneur Jésus m'a chargé de dire à son épouse, à ses brebis, que cette dernière phase est une phase où lui, Dieu, va restaurer plusieurs de ses brebis. Plusieurs de ses brebis témoigneront de sa bonté. Plusieurs de ses brebis témoigneront de sa fidélité. Plusieurs de ses brebis seront que ces 21 jours de jeûne n'ont pas été édictés par l'apôtre Abraham, mais a été édicté par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et toi qui as mortifié ta chair, toi qui as renoncé à toutes tes activités, toi qui n'as pas mangé, toi qui n'as pas bu, toi qui as exécuté à la lettre ce que le Seigneur Jésus a dit, je te l'ai dit avant le dimanche 27, tu vas venir témoigner et la terre va trembler. Tu vas venir témoigner et le monde dira que le Dieu que tu adores est le véritable Dieu. Et le monde attestera que le Jésus de la Sainte Doctrine que tu adores est celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Je t'en prie, reste concentré. Reste concentré sur les quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes le 16e jour. Nous avons encore 5 jours devant nous. Bien-aimés, nous sommes en train de jouer la finale. Nous sommes en train de jouer la finale. Et cette finale-là, nous devons la gagner. Dis à quelqu'un, cette finale-là, nous devons la gagner. Il n'a pas entendu, dis-lui, cette finale-là, nous devons la gagner. Cette finale-là, nous devons la gagner. Et nous la gagnerons au nom de Jésus. Et nous la gagnerons au nom de Jésus. Et nous la gagnerons au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, le livre de 1 Timothée 4, verset 13 à 16 dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie et par imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi entier à elles, afin que tes progrès soient évidents devant tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement.
persévère dans ces choses, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Moi, bien aimé, lève-toi, on va faire cette prière. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que tu viennes, donne-moi de m'appliquer dans la méditation de ta parole, dans l'évangélisation, dans la charité, dans la justice, dans la sanctification du corps, dans la sanctification de l'âme, dans la sanctification de l'esprit, dans le renoncement, et surtout à mettre ta parole en pratique. Seigneur Jésus, donne-moi de ne pas négliger les dons et les talents que tu as mis en moi par prophétie et par imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Maintenant que tu m'as ressuscité des morts, maintenant que tu m'as ressuscité de l'impudicité, maintenant que tu m'as ressuscité du vol, maintenant que tu m'as ressuscité du mensonge, maintenant que tu m'as ressuscité de la colère, maintenant que tu m'as ressuscité de la rancœur, maintenant que tu m'as ressuscité de l'impudicité, maintenant que tu m'as ressuscité de la peur, maintenant que tu m'as ressuscité de l'idolâtrie, maintenant que tu m'as ressuscité de l'ignorance, maintenant que tu m'as ressuscité de la peur, donne-moi de m'attacher à toi tout entier. 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 À la mission que tu m'as confiée, afin que mes progrès soient évidents pour tous. Seigneur Jésus, donne-moi de veiller sur mon âme par les enseignements de la sainte doctrine que tu m'as donné. Donne-moi de préserver dans l'amour, dans la paix, dans la charité, dans la justice, dans la sainteté, dans l'évangélisation. Seigneur Jésus, sauve mon âme, 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 inscris mon nom dans le livre de vie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Inscris mon nom dans le livre de la justice. Inscris mon nom dans le livre de la justice. Inscris mon nom dans le livre de la justice. Sauve mon âme. 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 Restaure 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 mon âme. Efface mon nom dans le livre mort. Efface mon nom dans le livre de l'accusation. Efface mon nom dans le livre de mort. Efface mon nom dans le livre d'accusation. Inscris mon nom dans le livre de vie. Inscris mon nom dans le livre de justice. Sauve mon âme. 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 Efface mes transgressions. Efface mes péchés. Efface mon infidélité. Efface mes mensonges. Efface ma colère. Efface mes rancœurs. Par ton sang versé à la croix. Par ton sang versé à la croix. Efface mon nom du livre de mort. Efface mes impudicités. Efface mes mensonges. Efface mes transgressions. Efface mes rancœurs. Efface mes meurtres. Efface mon infidélité. Efface mes rengaines. Efface mes mensonges. Efface mon racisme. Efface ma haine. Efface ma méchanceté. Et remplis mon cœur de ta joie. Remplis mon cœur de tes vertus. Remplis mon cœur de la justice. Remplis mon cœur de tes vertus. Remplis mon cœur de tes vertus. Remplis mon cœur de paix. Remplis mon cœur de joie.
Lève-toi et prie, 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 prie. Commence par prier, commence par prier, commence par prier, commence par prier. Demande au Seigneur Jésus d'effacer ton nom du livre de mort. Demande au Seigneur Jésus d'effacer ton nom dans le livre d'accusation. Ne t'arrête pas, prie, 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 prie. Demande au Seigneur Jésus de sauver ton âme en l'inscrivant dans le livre de vie, en l'inscrivant dans le livre de justice. Qu'il n'y a plus d'accusation à ton encontre. C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure où Elohim veut restaurer son peuple. C'est l'heure où Élie veut restaurer ses ennemis. Alors ne te tais pas. 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 Dis-lui d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Dis au Seigneur Jésus d'effacer ton nom du livre de mort. Dis-lui d'effacer ton nom du livre d'accusation. Dis-lui d'effacer ton nom du livre de l'accusation. Et d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Qu'il n'y ait plus d'accusation dans ta vie. Que l'accusateur ne trouve plus de porte d'accès afin de t'accuser. Que l'accusateur ne trouve plus de quoi à t'accuser devant le Seigneur Jésus. Prie, 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 prie. Élève la main pour autorité. Prie avec autorité, prie avec autorité. Demande au Seigneur Jésus d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Demande au Seigneur Jésus d'inscrire ton nom dans le livre de la justification. Et qu'il efface ton nom du livre de mort. Qu'il efface ton nom dans le livre d'accusation. Et lève la vraie prière avec autorité. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Oh Seigneur Jésus, fais grâce qui est béni. Elohim, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. J'ai vu le fond de notre cœur. J'ai vu le fond de notre pensée. J'ai vu la sincérité avec laquelle nous nous sommes engagés à mortifier notre chair. Oui, Seigneur Jésus, nous nous sommes mortis, nous nous sommes engagés à mortifier notre chair. Nous nous sommes engagés à mettre en pratique ces recommandations que tu nous as données depuis le 17. Aujourd'hui, je t'en supplie, Papa, fais grâce. Je t'en supplie, cet esprit de Dieu, fais grâce. Je t'en supplie, Père éternel, fais grâce. Tu as dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Père éternel, je prie, Père, que cette parole s'attache maintenant à l'âme de chacun de nous. Que cette parole s'attache à l'âme de chacun de nous. Maintenant, cet esprit de Dieu, que cette parole s'attache à chacun de nous. Qu'elle s'attache à l'âme de chacun de nous. Qu'elle s'attache à l'âme de chacun de nous. Qu'elle s'attache à la destinée de chacun de nous. Qu'elle s'attache à l'histoire de chacun de nous. Oui, que l'ennemi ne trouve plus de condamnation. Que l'ennemi ne trouve plus d'accusation. Que l'ennemi ne trouve plus rien à dire sur nous. Car tu nous as justifiés. Oui, éternel, mon Dieu, m'envoie par ton sang verser la croix de Golgotha. Tu nous as justifiés. Merci Seigneur. Merci cet esprit de Dieu. Bien-aimé, le livre de Proverbes 10, verset 8 dit, l'homme au cœur sage fait bon accueil au commandement, mais celui qui parle comme un fou court à sa perte. Et le livre de Psaume 119, verset 2 dit, heureux ceux qui gardent ses instructions, qui les cherchent de tout leur cœur. Et le livre de Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le livre de Jean 14, toujours, verset 21 dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Bien aimé, le livre de Colossiens 3, verset 1 à 17 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchiez autrefois,
lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toute chose, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns aux autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Bien-aimé, que veut nous dire le livre de Colossiens 3, verset 17. Bien-aimé, tu dois savoir par ce livre qu'à partir d'aujourd'hui, cette veille là-dessus qui faisait de toi quelqu'un de colérique, cette veille là-dessus qui faisait de toi quelqu'un de menteuse, cette veille là-dessus qui faisait de toi quelqu'un de rancunier, cette veille là-dessus qui faisait que tu avais une double vie, le Seigneur Jésus t'a pardonné. Oui, je te le dis en vérité. Le Seigneur Jésus t'a pardonné. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ qui commence. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ qui commence. Alors, ce que nous allons rechercher, c'est la justice. Ce que nous allons rechercher, c'est la vérité. Ce que nous allons rechercher, c'est la patience, c'est la douceur. Ce que nous allons rechercher, mon bien-aimé, c'est la tempérance, c'est la foi et les œuvres de la foi. Cette vieille nature que tu avais dans le passé, nous allons mettre une croix sur cette vieille nature-là. Cette vieille nature de colérique, de belliqueux, d'hypocrite, de menteur que tu étais, le Seigneur Jésus met une croix sur cette vieille nature-là. Et aujourd'hui, il te donne sa nature. Et aujourd'hui, il te donne une partie de lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, le Seigneur pouvait dire que le lien par excellence de la perfection, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Et la plus belle façon pour nous, c'est pour nous, enfants de Dieu, de démontrer qu'on aime Dieu, c'est de mettre sa parole en pratique. Alléluia. La plus belle façon de démontrer au Seigneur Jésus que nous l'aimons, c'est d'appliquer ses commandements. C'est d'appliquer ses lois morales. C'est d'appliquer ses statuts, ses règles, ses prescriptions, ses préceptes. C'est de garder son alliance. Amen. Le livre de Matthieu 22, verset 36 à 38 dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur Jésus, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Tu vas te lever et tu vas dire au Seigneur Jésus ce soir: Seigneur Jésus, apprends-moi à t'aimer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, apprends-moi à t'aimer. Seigneur Jésus, apprends-moi à garder ton alliance. Seigneur Jésus, apprends-moi à marcher dans tes commandements. Seigneur Jésus, apprends-moi à garder ton alliance. Apprends-moi à garder ton alliance. Apprends-moi à marcher dans tes préceptes. Apprends-moi à marcher dans tes statuts. Seigneur Jésus, je veux te plaire. Je veux t'aimer. Et c'est pourquoi j'élève la voix ce soir. Et je te prie, Seigneur, de m'apprendre à garder ton alliance. De m'apprendre à garder tes commandements. De m'apprendre à garder tes prescriptions.
de m'apprendre à garder tes règles. J'élève la voix vers toi, Seigneur. Mets tes commandements dans mon cœur. Mets ton alliance dans mon cœur. Mets tes préceptes dans mon cœur. Enseigne-moi ton alliance. Enseigne-moi tes commandements. Enseigne-moi tes prescriptions. Je ne veux plus faire ma volonté. Je veux faire ta volonté. Marcher dans tes voies. M'abandonner entièrement entre tes mains. Je veux te démontrer, Seigneur, que je suis fou de toi. En gardant tes alliances. En gardant tes commandements. En gardant tes préceptes. En marchant dans tes voies. En étant à ton image. En marchant dans tes pas. En marchant dans ta paix. En marchant dans tes pas. Seigneur Jésus, apprends-moi à garder tes alliances. Apprends-moi à marcher dans tes commandements. Donne-moi de marcher dans tes voies. Je dois m'abandonner entièrement entre tes mains. Seigneur Jésus, je ne veux plus faire ma volonté. Je ne veux plus faire ma volonté. Je veux faire ta volonté. C'est pourquoi ce soir, je te prie, papa, de m'enseigner tes alliances et de les garder dans mon cœur. De m'enseigner tes commandements et de les garder dans mon cœur. De m'enseigner tes préceptes et de les garder dans mon cœur. De m'enseigner tes voies et de les garder dans mon cœur. De marcher dans tes pas. Donne-moi 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 d'être ton imitateur. Donne-moi d'être ton imitateur. Donne-moi d'être ton imitateur. Donne-moi d'être ton imitateur. Garde tes alliances dans mon cœur. Garde tes commandements dans mon cœur. Oh oui, Seigneur Jésus, je veux marcher selon tes préceptes. Je veux marcher selon tes statuts. Je veux marcher selon tes règles. Je veux marcher selon tes principes. Oui, Seigneur, je veux marcher dans la sainte doctrine. Aujourd'hui même, Seigneur, change l'état de mon cœur. Aujourd'hui même, Seigneur, change l'état de mon cœur. 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 Mets tes alliances dans mon cœur, Seigneur. Mets tes commandements dans mon cœur, papa. Mets tes foi dans mon cœur. Mets tes lois morales dans mon cœur. Change l'état de mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi de t'aimer, Seigneur. Donne-moi de t'aimer plus que toute autre chose. Donne-moi de t'aimer plus que mon père. Donne-moi de t'aimer plus que ma mère. Donne-moi de t'aimer plus que mon épouse. Donne-moi de t'aimer plus que mon époux. Mets ton amour dans mon cœur. Remplis mon cœur de ton amour. 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 Prie. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, prie avec autorité. Demande au Seigneur de remplir ton cœur de son amour. Demande au Seigneur de mettre son amour dans ton cœur. Par ses alliances, par ses commandements, par ses lois morales, par ses préceptes, par ses statuts, par ses règles. Demande au Seigneur de venir changer l'état de ton cœur. Demande au Seigneur de venir changer l'état de ton cœur. Demande au Saint-Esprit de venir changer l'état de ton cœur. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit change l'état de ton cœur. Il met ses alliances dans ton cœur. Il met son amour dans ton cœur. Il met ses lois morales dans ton cœur. Il met ses préceptes dans ton cœur. Il met ses prescriptions dans ton cœur. Oui, ce soir même, le Seigneur Jésus change l'état de ton cœur. Il retire de toi le cœur de pierre que tu avais. Il met en lieu place un cœur d'amour, un cœur d'enfant, un cœur obéissant. N'a-t-il pas dit dans sa parole selon le livre de 1 Samuel 15, au verset 22, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dis-lui de mettre de ton cœur son obéissance à sa parole, son obéissance à cela. Viens de changer l'état de ton cœur. Dis-lui 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 de changer l'état de ton cœur. L'Esprit de Dieu change le cœur de quelqu'un. Le Saint-Esprit change l'état de quelqu'un. Le Saint-Esprit change le cœur de quelqu'un. L'Esprit de Dieu change le cœur de quelqu'un. Il change le cœur de quelqu'un. Il retire de toi la méchanceté. Il retire de toi la duplicité. Il retire de toi la haine, le manque d'amour. Il retire de toi le manque de justice. L'Esprit de Dieu change le cœur de quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit change le cœur de quelqu'un. Il met ses alliances dans ton cœur. 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 Il répète ton cœur. Ce soir même, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit de vérité.
L'esprit de la sainte doctrine sort le cœur de quelqu'un, reste exposé, reste concentré. Appuie pas toi sur ton sort. Les autres distincts parce qu'il se passe autour de toi. C'est l'esprit de Dieu, change l'état du cœur de tes enfants. Rappelez le cœur à nous. Prie avec autorité, prie avec autorité, prie avec autorité. Ne t'arrête pas, surtout, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Cet esprit de méchant, l'état de mon cœur. Cet esprit de méchant, l'état de mon cœur. Seigneur Jésus, change l'état de mon cœur. Mettez des sauts un peu partout. Mettez des sauts un peu partout. Cet esprit de méchant, l'état de mon cœur. Mets ton amour dans mon cœur. Les intercesseuses, allez me chercher les sauts. Les intercesseuses, allez me chercher les sauts. Les intercesseuses, allez me chercher les sauts. Seigneur Jésus, change l'état de mon cœur. Cet esprit de méchant, l'état de mon cœur. Trop longtemps, j'étais quelqu'un de méchant. Trop longtemps, j'étais quelqu'un de méchante. Mais aujourd'hui, je te prie de changer l'état de mon cœur. Je te prie, cet esprit de Dieu, de changer l'état de mon cœur. Oh Seigneur, je vais apprendre à t'aimer. Je vais apprendre à garder ton alliance. Je vais apprendre, Seigneur Jésus, à marcher dans tes commandements. Cet esprit de Dieu, je vais apprendre à marcher selon tes pas. À marcher dans tes pas. Oui, cet esprit de Dieu, change l'état de mon cœur. Cet esprit de Dieu, change l'état de mon cœur. Et nous allons changer de mon cœur. Je te prie de l'épuiser. Je te prie de purer mon cœur. Je te prie de nettoyer mon cœur. Je te prie de la puissance de mon cœur. Et de mettre tes alliances dans mon cœur. De remplir mon cœur de tes alliances. De remplir mon cœur de tes commandements. De remplir mon cœur de tes voix. Oui, Seigneur Jésus, change l'état de mon cœur. Elohim, change l'état de mon cœur. Abba Père, change l'état de mon cœur. Oui, Seigneur, renouvelle dans mon cœur. Et mets tes commandements dans mon cœur. Tisse une alliance nouvelle avec mon cœur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, mets tes lois nouvelles. Mets tes préceptes, tes prescriptions, tes statuts. Mets la sainte doctrine dans mon cœur. Je te prie ce soir, afin que tu changes l'état de mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Change l'état de mon cœur. Enlève la méchanceté de moi. Retire l'hypocrisie de moi. Retire la haine, la vengeance, le racisme de moi. Et change l'état de mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, change l'état de mon cœur. Et le livre change l'état de mon cœur. Oui, apprends-moi à aimer ta voix. Apprends-moi à aimer ta parole. Et de la garder dans mon cœur. Apprends-moi à aimer tes commandements. Apprends-moi, Saint-Esprit de Dieu, à aimer tes commandements. Saint-Esprit de Dieu, change l'état de mon cœur. Seigneur Jésus, change l'état de mon cœur. Elohim, je te prie ce soir, change l'état de mon cœur. Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, je te prie ce soir de changer l'état de mon cœur. Mets en moi ton amour, mets en moi tes alliances, mets en moi tes foi, mets en moi tes lois morales, mets en moi tes préceptes, mets en moi tes commandements. Change l'état de mon cœur. Je te prie, cet esprit de Dieu, de changer l'état de mon cœur. Seigneur Jésus, change l'état de mon cœur. Remplis mon cœur d'amour, 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 remplis mon cœur d'amour. Retire la méchanceté de mon cœur, retire la rancœur de mon cœur, retire la rancœur de mon cœur, retire la méchanceté de mon cœur, retire la jalousie de mon cœur, retire l'idolâtrie de mon cœur, retire la haine de mon cœur, retire la xénophobie de mon cœur. Retire le racisme de mon cœur. Retire la jalousie de mon cœur. Retire l'idolâtrie de mon cœur. Oh Seigneur, change l'état de mon cœur. Cet esprit de Dieu change l'état de mon cœur. Et le livre change l'état de mon cœur. Mon cœur est méchant. Mon cœur est mauvais. Aujourd'hui, Seigneur, je prie que ton sang lave mon cœur. 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 Retire la méchanceté de moi. Retire la haine de moi. Retire le désir de vengeance de moi. Remplis mon cœur de tes alliances. 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 Change l'état de mon cœur, Seigneur. Change l'état de mon cœur, cet esprit de Dieu. Pour longtemps, j'étais quelqu'un de méchant. Pour longtemps, j'étais quelqu'un d'acariatique. Pour longtemps, j'étais rempli de haine. Pour longtemps, j'étais rempli de désir de vengeance. Mais aujourd'hui, Seigneur, si tu le veux, je l'attends simplement un mot. Afin que l'état de mon cœur soit changé. Afin que mon cœur soit converti. Afin que le cœur de ton serviteur soit converti. Seigneur Jésus, convertis mon cœur. Cet esprit de Dieu, convertis mon cœur. Adonai, convertis le cœur de ton serviteur. Convertis mon cœur, cet esprit de Dieu. Convertis mon cœur, Adonai. Je te prie de convertir mon cœur. Change l'état de mon cœur, cet esprit de Dieu. Change l'état de mon cœur, Seigneur Jésus. Change l'état de mon cœur. Mets tes lois morales dans mon cœur.
mets ton amour dans mon cœur, mets ton ciel dans mon cœur, mets ta justice dans mon cœur, remplis mon cœur de ta parole, donne-moi d'être ton imitateur, donne-moi d'être ton imitateur, donne-moi de marcher dans tes pas, donne-moi cet esprit de m'abandonner à toi et de marcher selon tes vertus. Change l'état de mon cœur, Seigneur Jésus. Change l'état de mon cœur, cet esprit de Dieu. Change l'état de mon cœur, Elohim. Change l'état de mon cœur, Seigneur. Change l'état de mon cœur, cet esprit de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, je te prie de changer l'état de mon cœur. Je te prie à ton aide de changer l'état de mon cœur. Retire de mon cœur la rancœur, la jalousie, la haine, le désir de vengeance. Retire de mon cœur cet esprit de Dieu. Toutes ces rancœurs que j'ai gardées, et qui sont en train de me ronger, qui sont en train de ronger mon âme. Cet esprit de Dieu change l'état de mon cœur, change l'état de mon cœur, change l'état de mon âme, change l'état de mes pensées, change l'état de ma destinée, change le cours de mon histoire. Oui, change mon cœur, change mon cœur, change mon âme. Retire de moi toute forme de haine, retire de moi toute forme de rancœur, retire de moi toute forme de méchanceté, retire de moi toute forme d'énergie de vengeance, retire de moi ces choses qui ne sont pas en phase avec toi. Oui, Seigneur, je me te perds. C'est pourquoi je te prie de changer le cœur que j'ai. Change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Et donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur d'enfant, donne-moi un cœur d'enfant, donne-moi un cœur d'enfant, donne-moi un cœur d'enfant, donne-moi un cœur d'enfant. Dans lequel il y a tes commandements, dans lequel il y a toutes tes alliances, dans lequel je suis spontané, je suis prompt à pardonner, dans lequel, cet esprit de Dieu, il y a tes lois morales, il y a la sainte doctrine. Change l'état de mon cœur, Seigneur. Change l'état de mon cœur. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. La main sur. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Saint-Esprit de Dieu, remplis mon cœur d'amour. Remplis le cœur de ton serviteur d'amour. Remplis le cœur de ton serviteur d'amour. Remplis le cœur de ta servante d'amour. Donne-moi d'avoir de l'amour pour tes commandements. Donne-moi d'avoir de l'amour pour tes alliances. Oh, change l'état de mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Change l'état de mon cœur, Elohim. Change l'état de mon cœur, Adonai. Mets tes alliances dans mon cœur. Remplis mon cœur de ta parole. Remplis mon cœur de la sainte doctrine. Le livre de 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Écoute très bien ce que le livre de 1 Timothée 5, verset 8 dit. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Tu vas demander au Seigneur Jésus de te donner, d'avoir un cœur d'entraide pour ta famille en Christ. Je lis le livre de 1 Timothée 5, verset 8. Tu vas demander au Seigneur Jésus de te donner un cœur disposé à soutenir ta famille en Christ. Beaucoup parmi nous sont dans le besoin. Je le connais. Mais souvent tu restes insensible à leurs besoins. Oh, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni afin que tu sois un soutien pour la veuve, pour l'orphelin, pour la délaissée, pour le vieillard, pour l'étranger, pour les serviteurs de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu t'a béni financièrement, matériellement, socialement, intellectuellement, pour que tu sois un soutien pour ta famille en Christ. Tu vas demander au Seigneur Jésus de te donner les liens d'entraide. Seigneur Jésus, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, donne-moi un lien d'amour afin que je sois un soutien pour ton œuvre, pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'indigent, pour l'étranger, pour le prisonnier, pour la délaissée, pour la croissance de ton œuvre. Donne-moi un lien d'amour afin que je sois un soutien pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu. Père éternel, tu as béni mes mains. Que mes mains ne soient pas les mains de la cupidité. Que mes mains ne soient pas les mains de la rapine. De la rapine. Père éternel, mets dans mon cœur un lien d'amour afin que je sois une aide pour ton œuvre, pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'indigent, pour l'estropié, pour le malade, pour la croissance de ton œuvre, pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour la délaissée. Seigneur Jésus, donne-moi d'être un soutien par amour pour ton œuvre. Donne-moi d'être un soutien par amour pour la croissance de ton œuvre. Seigneur Jésus, donne-moi de ne pas être insensible. Donne-moi de ne pas être insensible
aux situations que traversent tes enfants. Donne-moi de ne pas rester le mal lorsque la veuve est en danger, lorsque l'orphelin crie à toi, lorsque ton église a besoin de soutien. Mets ton lien d'amour dans mon cœur. Mets ton lien d'amour dans mon cœur. Que je ne mange pas le pain de la cupidité. Que je ne sois pas insensible devant les difficultés de ton église, devant les difficultés de ma famille en Christ. Mets ton amour dans mon cœur. Mets ton amour dans mon cœur afin que je sois un soutien pour ton œuvre, pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'indigent, pour l'étranger, pour le prisonnier, pour la délaissée, pour la croissance de ton œuvre, pour tes serviteurs et pour tes servantes. Élève la vraie prière, élève la vraie prière, élève la vraie prière. Demande au Seigneur de te donner de l'amour pour ta famille en Christ, selon 1 Timothée 5, verset 8. Élève la vraie, demande au Seigneur Jésus que tu sois un véritable soutien pour son œuvre, pour la croissance de son œuvre, pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'indigent, pour l'étranger. Élève la voix et demande au Seigneur Jésus de te donner un lien d'amour à l'égard de ta famille en Christ. Prie avec autorité, prie avec autorité, prie avec autorité, prie avec autorité. Demande au Seigneur de changer l'état de ton cœur et de te donner d'avoir de la compassion pour ta famille en Christ. D'avoir de la compassion pour ta famille en Christ. D'avoir de te donner un cœur afin d'avoir de la compassion pour ta famille en Christ. Allez, ça sort. Allez, ça sort. Allez, ça sort. Tu vois le sang. 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 Prie, 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 prie. Demande au Seigneur de faire de toi une aide pour son œuvre. Que tu ne sois pas insensible aux besoins de la veuve. Que tu ne sois pas insensible aux besoins de la délaissée. Que tu ne sois pas insensible aux besoins de l'orphelin. Qu'il mette l'entraîne d'amour dans ton cœur. Qu'il mette dans ton cœur son amour. Afin que tu sois un véritable soutien pour la croissance de son œuvre. Pour ce feu du réveil. De retirer ce cœur que tu es insensible face à la situation des uns et des autres. Qu'il retire de toi ce cœur. Qu'il retire de toi ce cœur. Qu'il retire de toi ce cœur. Du fait que tu es insensible. Quelqu'un a un pain. Il est réfléchi de vieux. Le toi, tu as même dizaine. Et que dans partager, tu te manques de la personne. Demande au Seigneur Jésus de te pardonner. Et de te donner un cœur d'amour. De te donner de soutenir ta famille dans la foi. Demande au Seigneur de te donner un cœur qui soutient son œuvre, un cœur qui soutient la délaissée, un cœur qui soutient le prisonnier, qui soutient la veuve, qui soutient l'orphelin. Demande-lui de te donner un cœur d'entraide. Dis-lui de te donner un cœur qui est sensible à la situation des autres. Non pas un cœur qui se moque, non pas un cœur qui rit des problèmes des autres, mais un cœur qui est tout disposé à soutenir la veuve, l'orphelin, à soutenir la croissance de ce ministère, à soutenir le feu du réveil. Seigneur Jésus, change l'état de mon cœur et donne-moi un lien d'amour à l'égard de ma famille dans la foi. Donne-moi un lien d'amour à l'égard de ma famille dans la foi. Donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, d'être la manne pour quelqu'un. Donne-moi cet esprit de Dieu, d'être le soutien de la veuve, d'être le soutien de l'orphelin. Seigneur Jésus, donne-moi d'être sensible lorsque l'orphelin crie, lorsque la délaissée crie. Lorsque tes serviteurs soient vous, ils ont fait. Lorsqu'ils ont besoin de soutien pour faire avancer le feu du réveil. Donne-moi, Seigneur, de ne point rester le mal et de les soutenir avec ce que tu m'as donné. Même si cela n'est pas beaucoup, Seigneur Jésus. Donne-moi d'être fidèle dans les petites choses afin que tu me donnes des grandes choses. Donne-moi d'être juste dans les petites choses afin d'être élevé dans les petites choses. Bien-aimé, le livre de Luc 6, verset 27 à 28 dit. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ce soir, tu vas demander au Seigneur Jésus, c'est l'une des choses les plus difficiles chez les enfants de Dieu, donner de l'amour à les ennemis. Tu vas dire au Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, selon Luc 6, verset 27 à 28.
Donne-moi d'aimer mes ennemis. Donne-moi d'avoir de l'amour pour mes ennemis. Donne-moi de faire du bien à ceux qui me détestent. Et de bénir ceux qui me maudissent. Et donne-moi de prier pour ceux qui me maltraitent. Donne-moi d'aimer mes ennemis. Donne-moi de faire du bien à ceux qui me détestent. Donne-moi de bénir ceux qui me maudissent. Et donne-moi de prier pour ceux qui me maltraitent. Et donne-moi de dire, mon bien-aimé, cette prière-là, si tu l'as fait sincèrement, si tu l'as fait sincèrement, le démon de l'accusation qui te poussait à détester tes ennemis, qui te poussait à haïr tes ennemis, il va sortir de toi ce soir. Je te le dis en vérité, en vérité. Plusieurs d'entre vous, me dit le Seigneur Jésus, sont sous la domination de ce démon qui fait que vous avez du mal à aimer vos ennemis. Vous avez du mal à prier pour ceux qui vous maltraitent. Vous avez du mal à faire du bien pour ceux qui vous détestent. Je répète cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Selon Luc 6. Verset 27 à 28. Donne-moi d'avoir de l'amour pour mes ennemis. Donne-moi d'avoir de l'amour pour mes ennemis. Donne-moi de faire du bien à ceux qui me détestent. Donne-moi de bénir ceux qui me maudissent. Donne-moi de prier pour ceux qui me maltraitent. Donne-moi d'aimer ceux qui me détestent. Donne-moi d'aimer mes ennemis. Donne-moi de faire du bien à ceux qui me détestent. Donne-moi de bénir ceux qui me maudissent. Donne-moi de prier pour ceux qui me maltraitent. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie avec autorité. Ce démon qui fait que tu as de la haine pour celui qui te hait. Ce démon qui fait que tu détestes celui qui te déteste. Ce démon qui fait que tu pratiques la loi du talion devant tes ennemis. Il va te lâcher à l'instant même. Prie avec autorité. Ne t'en pas. Lève-toi. Lève-toi et prie. Je ne veux pas que les gens s'asseyent. Lève-toi et prie, ce n'est pas le moment de somnoler. Lève-toi et prie avec foi. Lève-toi, demande au Seigneur de te donner d'aimer ceux qui te détestent. Demande au Seigneur de te donner d'aimer ceux qui ont de la haine pour toi. Prie pour ceux qui te maltraitent. Bénis ceux qui te maudissent. Si tu le pries, si tu pries avec sincérité, avec foi, je te le dis, ta vérité. L'Esprit de Dieu va te libérer. Va te libérer de ce témoin du talion. Quelqu'un sera libéré ce soir. De ce démon d'Italien. Quelqu'un sera libéré ce soir. De ce démon d'Italien. Je te le dis en vérité, en vérité. Si tu pries avec sincérité, l'Esprit de Dieu va te libérer de ce démon d'Italien qui fait que tu as de la haine pour ceux qui te détestent. Qui fait que tu pries pour ceux que tu maudis ceux qui te maudissent. Qui fait que tu as de la haine pour ceux qui te haïssent. Tu maudis ceux qui te maudissent. Tu en veux. Tu en veux à ceux qui t'en veulent. L'Esprit de Dieu est en train de libérer quelqu'un, prie du démon d'Alion. Prie le Saint-Esprit en train de libérer quelqu'un, prie du démon d'Alion. Prie le Saint-Esprit en train de libérer quelqu'un, prie du démon d'Alion. Le Saint-Esprit en train de libérer quelqu'un, prie du démon d'Alion. Il te libère de ce démon. Il te libère de la haine de celle qui haïsse. Il te libère. L'Esprit de Dieu, libère du démon d'Alion. Il te libère, il te libère, il te libère, il te libère. Il te libère du démon d'Alion. Il te libère, il te libère, il te libère. L'Esprit de Dieu te libère du démon. Maintenant, la haine que tu as fait pour ceux qui te haïssent. Maintenant, est brisée. Maintenant, la haine que tu as fait pour ceux qui te battent est brisée. Est brisée. La haine que tu as fait pour ceux qui te détestent est brisée. Le démon d'Alion sort de ta main. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Restez concentré. Restez concentré. Il n'est pas le seul. Sors. Le Saint-Esprit te libère du démon d'Alion. Maintenant, le Saint-Esprit te libère du démon d'Alion. Sors de lui. Sors de lui.
qui le maltraite. Maintenant, pour ceux qui l'ont fait. Allez, démontre-nous son nom. Allez, sors. Démontre-nous son nom. Sors. Nous te prenons le nom de Jésus. Sors. Sors. Nous te prenons le nom de Jésus. Les montagnes ont été mieux. Allez, sors le nom de Jésus. Les montagnes ont été mieux. Mais c'est les tu dis continuer à prier. Tu continues à prier. Tu continues à prier. Tu continues à prier. Maintenant, elle bénit ceux qui la maudissent. Maintenant, elle bénit cette partie de sa vie où elle a fait le mal. Maintenant, elle vous pardonne.
nous pardonne. Son cœur est rempli d'amour à l'égard de ses ennemis. Maintenant, elle a de l'amour pour ses ennemis. Maintenant, elle a de la compassion pour ses ennemis. Maintenant, son cœur est libéré et déchargé. Son cœur est libéré et déchargé. J'en ai le nom de Jésus. Que toute cette haine remonte le sang de toi. Ce désir de vengeance remonte le sang de toi. Cette gloire du talion remonte le sang de toi. Je commande le nom de Jésus que le témoin talion remonte le sang de toi. Retourne dans les abîmes, retourne dans les abîmes. Le démon de l'Italien remonte. Il remonte, 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 il remonte. Il sort de quoi? Je sème l'amour dans ton cœur. Je sème la compassion, le pardon dans ton cœur. Je déclare dans ce cœur-là. Maintenant tu aimes tes ennemis. 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 Tu bénis ceux qui te maltraitent. Tu bénis ceux qui te maudissent. Tu as de la compassion pour eux. Et tu le pardonnes. Et tu effaces ce pan de ta vie. Cet esprit de Dieu libère les cœurs, libère les cœurs, libère les cœurs. Cet esprit de Dieu libère les cœurs. Libère les cœurs, libère les cœurs. Prends de mon avion ensemble. De l'Italien, je te donne au nom de Jésus ensemble. Retire tes chaînes, tes liens. Je brise tes chaînes, je brise tes chaînes, je brise. Allez, vomis, pied pour pied, allez, vomis. L'homme pour l'homme, lâche la main, soleil. Maintenant, ça sort. Allez, ça sort. Fais dans la bouche, fais dans la bouche. Seigneur, pousse-nous à bénir ceux qui nous maltraitent. Seigneur, donne-nous de prier pour ceux qui nous maltraitent. Et donne-nous de bénir ceux qui nous maudissent. Porte des montagnes, prenons le nom de Jésus. La main droite nous les fait en signe d'autorité. Lorsque je l'aurai baissé, que tu sortes de la vie de quelqu'un. Lorsque je vais baisser ma main, je donne le nom de Jésus. Tu sors de la vie de quelqu'un. Porte des montagnes, je lève ma main en signe d'autorité. Et pendant que je la baisse, pendant que je la baisse, j'attends de Saint Jésus, que tu sors de la vie. Maintenant, sors de la misère, 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 libère la vie et quitte. Et Jésus, sors par le vomi, maintenant, sors à grand bâillement, sors par le vomi, sors à grand bâillement, sors par le vomi, sors à grand bâillement, sors par le vomi, sors par les grands cris, porte des mots d'Italien, tu n'as rien à faire dans la vie des peuples. À l'instant même, je t'annonce le nom de Jésus. Sors-le! Libère la vie de quelqu'un, retourne dans les abîmes au nom de Jésus. Pointe des mots de talion, je te donne le nom de Jésus. Sors de la vie de quelqu'un ce soir même. Libère sa vie. Bien aimé. Le livre de Lévitique 19, verset 32 dit,
tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu prendras ton Dieu, je suis l'Éternel. Écoute bien ce que le livre de Lévitique 19, verset 32 dit. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur Jésus m'a inspiré? Le livre de Lévitique 19, verset 32. Malheureusement, dans cette ère du 21e siècle, nous constatons que beaucoup de soi-disant enfants de Dieu n'ont plus égard du vieillard, n'ont plus de respect devant l'homme aux cheveux blancs, n'ont plus égard vis-à-vis de leur père, de leur mère, de leurs aînés, même dans la foi, de leur père dans la foi. Plusieurs oublient l'arbre duquel ils sont tombés. Aujourd'hui, nous vivons une époque d'ingratitude exubérante. Nous vivons une époque d'ingratitude ostentatoire. Tu vas demander au Seigneur Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, donne-moi la voix du respect. Ta voix du respect pour l'homme aux cheveux blancs. Pour l'homme aux cheveux blancs, donne-moi d'honorer le vieillard. D'honorer le vieillard. Donne-moi la voix du respect. La voix du respect. Pour mes pères dans la foi. Pour mes pères dans la foi. Pour mes mères dans la foi. Pour mes pères dans la foi. Pour mes fils dans la foi. Pour mes fils dans la foi. Pour mes filles dans la foi. Pour mes filles dans la foi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi la voix du respect. La voix du respect. Pour l'homme aux cheveux blancs. Pour l'homme aux cheveux blancs. Donne-moi d'honorer le vieillard. D'honorer le vieillard. Donne-moi d'honorer mes pères dans la foi. D'honorer mes pères dans la foi. D'honorer mes mères dans la foi. D'honorer mes mères dans la foi. D'honorer mes fils dans la foi. D'honorer mes filles dans la foi. Donnez la fille de la Seigneur foi. Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi d'avoir du respect pour l'homme aux cheveux blancs. Donne-moi. Prie. Pour le vieillard. Alléluia. Tu as manqué de respect à une personne âgée et qui a reçu une malédiction. Lève ta main, s'il te plaît. Tu n'es pas la seule personne. Pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur dit, quelques-uns parmi vous ont manqué de respect à un vieillard, à une personne âgée. Et malheureusement, vous avez reçu une malédiction. Vous n'êtes pas seul. Mon ennemi, lève ta main. Le Seigneur veut briser cette malédiction. Vous n'êtes pas deux. Le Seigneur veut briser cette malédiction-là. Cette malédiction-là continue de peser sur toi. Malheureusement, cette malédiction est là. Alléluia. Vous n'êtes pas les seuls. Même ceux qui nous regardent au travers des réseaux sociaux. Toi aussi, tu es concerné. Toi aussi, tu nous suis ce soir. Tu es concerné par ce message-là. Parce que tu n'as pas appliqué ce que le livre de la loi morale de Lévitique 19, verset 32 dit. Tu te lèveras devant l'homme, devant le vieillard, et tu honoreras le vieillard. Excusez-moi. Tu te lèveras devant l'homme aux cheveux blancs, et tu honoreras le vieillard. Malheureusement, parce que tu as pris le contre-pied de cette loi morale, une malédiction s'est attachée à toi. Et si tu ne fais pas attention, regarde le drame qui va arriver. Cette malédiction va se répercuter sur ton fils ou ta fille. Et quand le moment viendra, tes enfants aussi vont te outrager. Et les enfants de tes enfants vont les outrager. Les enfants de tes petits-enfants vont les outrager. Et ce sera un cercle vicieux. Ce sera un cycle infernal de malédiction en malédiction. Bon, aujourd'hui, grâce soit rendue au Seigneur Jésus. Il va briser cette malédiction-là. C'est pourquoi Dr. Eli, apôtre Jean-Jacques, Gédéon, soyez vigilants. Vous qui avez levé la main, pendant que je vais prier, l'Esprit de Dieu va vous visiter. Pendant que moi, je serai en train d'intercéder pour vous, vous aussi, vous serez en train de supplier le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il vous fasse grâce et que cette malédiction soit brisée et qu'elle ne soit pas une malédiction de père à fils, de fils à petit-fils, d'arrière-petit-fils à arrière-petit-fils. Alléluia. Lève la main droite. Toi qui as manquer de respect au vieillard. Toi qui n'as pas honoré l'homme aux cheveux blancs. Élève ta main. Je vais intercéder pour toi. Et pendant que je serai en train d'intercéder pour toi, toi, demande pardon au Seigneur Jésus. Je te le dis en vérité, si ta repentance est sincère, ça ne va pas faire un jour. Ça ne va pas faire une demi-journée. Ça ne va pas faire 30 minutes. À l'instant même, l'Esprit de Dieu va retirer de toi cette malédiction-là. Afin qu'elle ne soit pas sur toi, sur tes fils et sur toute ta descendance. Éternel Dieu Tout-Puissant, Elohim Adonai, vois la consternation de tes enfants.
Cet esprit de Dieu voit la consternation de tes enfants qui ont eu à manquer de respect aux vieillards, qui ont eu à déshonorer l'homme aux cheveux blancs, qui n'ont pas eu d'égard devant le Père dans la foi, devant les mères dans la foi. Père éternel, je te prie, Père, de leur accorder ton pardon. Seigneur, dans cette période de miséricorde de 21 jours, je prie cet esprit de Dieu de faire miséricorde à tes fils et à tes filles. N'as-tu pas dit selon le livre de Proverbes 28 au verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, celui qui les avoue, celui qui les avoue, celui qui les avoue, il les délaisse en tient miséricorde. Pour tous tes enfants qui ont levé la main, qui ont reconnu qu'ils n'ont pas eu égard à l'homme aux cheveux blancs, qui ont reconnu qu'ils ont déshonoré le vieillard, qui ont reconnu qu'ils ont blâmé leur père et leur mère dans la foi, je prie Seigneur, non seulement que tu leur pardonnes cela, mais aussi que tu brises la malédiction qui est sur leur vie. Seigneur, je prie que tu leur pardonnes l'acte qu'ils ont posé et que tu brises la malédiction sur leur vie. N'as-tu pas dit dans ta parole que tu ne tiens pas compte du temps d'ignorance? Elohim, Eli, El Shaddai, Abba Père, Jésus, je suis, s'il te plaît, papa, écoute la foi de ton serviteur bien-aimé et retire cette malédiction de tes brebis. Cet esprit de Dieu, retire cette malédiction sur eux afin qu'elle n'aille pas de père à fils, de fils à fils, de petit-fils à petit-fils, d'arrière-petit-fils à petit-fils. Seigneur, je déclare que maintenant que tu leur as pardonné, maintenant que tu les as lavés par ton sang, brise cette malédiction, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brise cette malédiction, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus. Brise cette malédiction. Brise cette malédiction. Au nom de Jésus. Brise cette malédiction. Au nom de Jésus. Brise cette malédiction. Au nom. 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 Brise cette malédiction. Brise cette malédiction. Brise. Brise. Au nom de Jésus. Brise la malédiction. Brise la Seigneur Jésus. Brise cette malédiction. Seigneur, maintenant que les enfants se sont répandus, je prie que tu brises cette malédiction. Seigneur, retire-la d'eux. Cet esprit de Dieu, retire-la d'eux. Brise cette malédiction. Au nom de Jésus. Brise cette malédiction. Au nom de Jésus. Brise-la. Au nom de Jésus. Brise-la. Au nom de Jésus. Brise-la. 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 Père éternel, prie cette malédiction. Au nom de Jésus. Est-ce que tu prie cette malédiction? Au nom de Jésus. Père éternel, maintenant que tu as fait exécuter tes enfants, je demande au nom de Jésus que tu prie cette malédiction. Au nom de Jésus. Maintenant. Brisa. Au nom de Jésus. Brisa. 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 Au nom de Jésus. Brisa, c'est de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, esprit sur lui. Au nom de Jésus. Ni sur ses enfants. Ni sur ses petits-enfants. Jusqu'à la millième génération. Cet esprit de Dieu, tu brises cette malédiction. Seigneur Jésus, tu brises cette malédiction. Cet esprit de Dieu, tu la brises. 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 Cette malédiction est ôtée de la vie de tes enfants jusqu'à la millième génération. Maintenant, cet esprit de Dieu, je commande au nom de Jésus que cette malédiction soit brisée sur la terre. Au nom de Jésus, la brise maintenant. Au nom de Jésus, brisa, 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 brisa. Que cette malédiction soit arrachée. Que cette malédiction soit arrachée. Que cette malédiction soit brisée à jamais au nom de Jésus. Que cette malédiction soit brisée à jamais au nom de Jésus. J'en ai au nom de Yeshua Machiav. Que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Que cette malédiction soit brisée sur la vie de Dieu. J'en ai au nom de Jésus. Que cette malédiction soit brisée. Elle est brisée. 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 Cette malédiction est brisée. Jusqu'à la millième génération. Cette malédiction est brisée. Laisse-le déjà la rage de toi. Laisse-le déjà la rage.
et la chair dans les profondeurs des abysses jusqu'à la nuit des dieux. Cette malédiction est brisée. Cette malédiction est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Brisée, 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 brisée. Dans le nom de Jésus, que cette malédiction soit brisée. Que cette malédiction soit brisée. Sur quoi? Jusqu'à la millième génération au nom de Jésus. Cette malédiction est brisée. Elle est brisée. Brisée. Brisé, 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 au nom de Jésus. J'entends que cette malédiction soit brisée. Je commande au nom de Jésus que cette malédiction soit ôtée de la vie de Pierre. Cette malédiction lui a désonoré l'homme au chemin de Dieu. Il a désonoré le vieillard. Que cette malédiction soit brisée sur cette vie. Elle est brisée jusqu'à la nuit de la génération. Dans le nom de Jésus. Maintenant, que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Elle est brisée, 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 brisée. Dans le nom de Jésus. Que cette malédiction soit brisée. Elle est brisée, 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 elle est brisée. Cette malédiction est passée. Elle n'a plus lieu d'être dans la vie. Cette malédiction est déchirée. Allez, allez, allez. Cette malédiction est brisée. Elle n'a plus de fond dans le vieux nom de Jésus. J'ordonne le nom de Jésus que cette malédiction soit brisée. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée à jamais. Je commande au nom de Jésus que cette malédiction soit brisée. Je demande au Jésus que cette malédiction soit brisée. Elle est brisée. Brisé, 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 brisé. Depuis le sommet de ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds. Cette malédiction est brisée. Et tu es restauré par le Seigneur. Je te presse la tête. Je te presse la tête. Je casse le javelot dans ta tête. Je le pardonne. J'ai donné le nom de Jésus que cette malédiction soit brisée. Elle est brisée. Brisée, 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 brisée. Je commande au nom de Jésus que cette malédiction soit déchirée de dessus toi. Et j'ai envie que cette malédiction n'ait plus lieu. Tu t'es répandu de tes péchés. Et maintenant, l'Esprit de Dieu vient, il descend sur moi, il brise ma malédiction. L'Esprit de Dieu descend sur moi, afin de briser cette malédiction. Afin de briser cette malédiction qui n'a plus lieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière petits-enfants jusqu'à la nuit de la bénédiction. J'entends maintenant que cette malédiction est brisée. Elle est brisée. Brisée, 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 j'en ai le nom de Jésus que cette malédiction soit brisée sur vous. Cette malédiction où tu as désonoré l'homme au chemin. Cette malédiction où j'ai manqué de respect pour elle. Je commande au nom de Jésus que cette malédiction soit ôtée de vous. Elle est maintenant brisée. Cette malédiction est maintenant brisée. Je commande au nom de Jésus que cette malédiction soit brisée de toi. Que l'Esprit de Dieu vienne briser cette malédiction sur ta vie. Maintenant, même l'Esprit de Dieu la brise. Il 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 la brise. Elle est brisée. Elle est brisée. Cette malédiction a pris effet sur ta vie jusqu'à la millième génération au nom de Jésus. Cette malédiction est brisée. Je commande au nom de Jésus que cette malédiction soit brisée. Et que toutes ces choses restent de toi. Je commande au nom de Jésus que la malédiction soit brisée. Et que les semences sortent de toi. Que cette malédiction où tu as manqué de respect au vieillard, où tu as déshonoré l'homme aux cheveux blancs, sort de toi. Elle est brisée. Brisée, 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 brisée,
tu es brisé sur la vie de quelqu'un. Maintenant. Allez, cette malédiction est brisée sur la vie de quelqu'un. J'entends le nom de Jésus. Que la malédiction qui pesait sur ta vie est brisée. Elle 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 est brisée. 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 Elle ne pèse plus sur toi, nom de Jésus. Ni sur toi, ni sur tes enfants, ni sur tes petits-enfants. Maintenant, la semence de la malédiction sort de toi. Je commande au nom de Jésus que la semence de cette malédiction sort de toi. Maintenant même pour toujours. Je commande au nom de Jésus que cette malédiction la sort de toi. Cette malédiction est brisée. Elle est brisée, 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 brisée. Je donne au nom de Jésus que cette malédiction la sort de toi. Je vous commande ces méchants de libérer leur vie. Au nom de Jésus, libérez leur vie. Au nom de Jésus, libérez leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu péché l'a commettre dans le passé. Au nom de Jésus-Christ, je t'anéantis. Au nom de Jésus-Christ, je t'anéantis. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander au Seigneur Jésus de te donner d'arriver des prières. Bien-aimé, je veux te rappeler que l'une des choses que le diable combat par excellence dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'enfer des prières. Bien-aimé, je veux te rappeler quelque chose. L'une des choses par excellence que le diable combat dans la vie des enfants de Dieu, c'est la vie de prière. Alléluia. Bien-aimé, le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 19 dit, priez sans cesse. Prenez, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté à Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Bien-aimé, évidemment, lorsque vous ne priez pas, vous devenez faible spirituellement. Lorsque vous n'avez pas de vie de prière, tous vos sens spirituels sont morts. Plus de vie de songe, plus de vie de vision, plus de vie d'audition, Rien, tout est coupé. Amen. Le livre de Matthieu 25, verset 41 dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le livre de Luc 22, verset 46 dit, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien-aimé, je vais te rappeler quelque chose. Lorsque tu n'as pas de vie de prière, évidemment, tu es enclin à toutes sortes de péchés. Mensonges, colère, impudicité, manque de maîtrise de soi, manque de pardon, rancune, haine, désir de vengeance, pratique de la loi du talion, incrédulité. C'est pourquoi tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, maintenant, que ma vie soit fondée sur la prière. Que ma vie soit fondée sur la prière. Je veux aller en eau profonde avec toi. Je veux avoir une véritable intimité avec toi. Seigneur Jésus, donne-moi d'avoir une vie de prière. Seigneur Jésus, donne-moi d'avoir une intimité avec toi. Donne-moi d'avoir une expérience personnelle avec toi. Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de vie de prière. Donne-moi de prier 1 heure,
deux heures, trois heures, quatre heures, une demi-journée, une journée entière. Éternel, mon Dieu, mon roi, donne-moi d'aller en eau profonde avec toi. Donne-moi d'aller en eau profonde avec toi. Je veux avoir une intimité avec toi. Je veux avoir une expérience personnelle avec toi. Je veux avoir une expérience personnelle avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je veux te prier pendant une heure, pendant deux heures, pendant trois heures, pendant quatre heures, pendant cinq heures, pendant une demi-journée, pendant une journée entière, pendant toute la nuit. Je veux, Seigneur Jésus, ne pas éteindre l'esprit. Je veux, Seigneur Jésus, ne pas éteindre l'esprit. Je veux être connecté avec toi par une vie de prière profonde, par une vie de prière intense, par une vie de prière intense, par une vie de prière intense, par une vie de prière intense. Je veux avoir une intimité avec toi. Je veux avoir une expérience propre à moi avec toi. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de te parler. Donne-moi de te parler. Donne-moi de te louer. Donne-moi de t'adorer. Donne-moi de passer du temps en ta présence. Donne-moi de chercher ta face. Donne-moi de chercher ta face dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de passer des heures devant ta face. De te parler sans regarder le temps. De te parler sans regarder le temps. De te parler sans réaliser que le temps passe. Je veux avoir une expérience personnelle avec toi, Seigneur Jésus. Maintenant, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Demande au Seigneur Jésus de te donner une vie de prière intense. Pas une minute, pas deux minutes, pas trois minutes. Mais dis-lui que tu veux passer du temps dans sa face. Tu veux passer du temps devant sa face. Prie, 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 prie. Prie avec autorité, prie avec autorité. Si tu le fais avec foi, l'Esprit de Dieu te donnera ce merveilleux don qui est la vie de prière. Tout commence par là. Tout commence par la prière. Tout commence par la prière. Élève la voix et prie. Demande au Seigneur de te donner d'avoir du temps pour lui. Non pas pour des choses viles, non pas pour des choses vaines. Dis au Seigneur, donne-moi d'avoir une vie de prière. Cet Esprit de Dieu, donne-moi d'avoir une vie de prière. Dis-lui que tu as faim de lui. Dis-lui que tu as soif de lui. Tu veux se merveiller donc. Dis-lui que tu veux se merveiller donc. Tu es la vie de prière. Dis-lui de t'éloigner de la paresse. Que tu ne manges pas le pain de la paresse. Que tu ne manges pas le pain de la paresse. Dis au Seigneur Jésus, donne-moi d'avoir une vie de prière intense avec toi. Donne-moi de passer du temps dans ta présence. Seigneur Jésus-Christ, je veux avoir une expérience personnelle avec toi. Oui, Seigneur, je veux passer du temps devant ta face. Aller en eau profonde avec toi. Seigneur, j'ai faim de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai soif de toi. Père éternel, j'ai faim de toi. J'ai faim de toi. J'ai faim de toi. Oui, je veux dévorer. Dévorer des moments intenses de prière avec toi. Je veux dévorer des moments intenses de prière avec toi. Je veux passer des heures et des heures à te prier, à te louer, à contempler ta gloire. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, je veux passer une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures. Oui, du temps dans ta présence. Oui, Seigneur, je ne veux plus être un chrétien fade. Saint-Esprit de Dieu, je ne veux plus être un chrétien morne. Je ne veux plus être un chrétien tiède. Je veux être rempli de feu. 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 Que mon corps soit rempli de feu. Que mon âme soit rempli de feu. Que mon esprit soit rempli de feu. Oui, Seigneur, réveille-moi à des heures indues, afin que je te prie. Oui, réveille-moi à l'aube, afin que je te prie. Réveille-moi à midi, afin que je te prie. Réveille-moi à l'aurore, afin que je te prie. N'as-tu pas dit dans ta parole, commandez à l'aurore? Oui, donne-moi de passer du temps devant ta face. Donne-moi de passer du temps devant ta face. Donne-moi de passer du temps devant ta face, Seigneur Jésus. Donne-moi d'être embrasé par ton feu. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi d'être embrasé par ton feu. Elohim, donne-moi d'être embrasé par ton feu. Embrase-moi par ton feu. Accorde-moi ce merveilleux don que la vie de prière. Pendant que tu pries, j'ordonne au nom de Jésus que l'esprit de paresse te lâche. Que l'esprit de la lourdeur te lâche. Que l'esprit de la somnolence te lâche. Pendant que tu demandes au Seigneur Jésus de te donner le don de prière. Regarde, la lourdeur commence par sortir de toi par le bâillement. La fatigue commence par sortir de toi par le bâillement. Oui, je te le dis en vérité, en vérité. La somnolence commence par sortir de toi par le bâillement. La fatigue commence par sortir de toi par le bâillement. Prie avec autorité. Demande au Seigneur Jésus de te donner le don de prière. De te donner d'avoir une vie de prière. Prie. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Prie. Prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Demande-lui de t'accorder une vie de prière intense. Demande-lui de ne plus manger le pain de la fatigue. De ne plus manger le pain de la somnolence ou de la lourdeur.
Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Demande-lui de te donner une vie de prière. Demande au Seigneur Jésus de te donner d'avoir une vie de prière. Demande-lui. Dis-lui, je vais passer du temps devant ta face. Cet Esprit de Dieu, je vais passer des heures à te parler, des heures à te louer, des heures à t'adorer. Je ne veux faire que ça. Oui, Seigneur, afin de croître, afin de grandir spirituellement. Oui, Seigneur, j'élève la voix vers toi ce soir. Je te prie, cet Esprit de Dieu, de me donner d'avoir une vie de prière. Accorde-moi ce merveilleux temps, Seigneur. Accorde-moi ce merveilleux temps, cet Esprit de Dieu. Accorde-moi ce temps de prière. Accorde-moi le temps de la prière. Oui, Seigneur, je veux te prier. Je veux parler, parler avec toi. Oui, te présenter mes projets, te dire mes aspirations. Et aussi me soumettre à toi, Seigneur. Cet Esprit de Dieu, donne-moi d'avoir une vie de prière. Elohim, je lève la voix ce soir. Et je te prie de me donner d'avoir une vie de prière. Bien-aimé, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Bien-aimé, à l'instar de la vie de prière, il y a encore une autre vertu que le diable combat. Alléluia. Il y a encore une autre vertu, un autre caractère que le diable combat. Bien-aimé, c'est la vie de jeûne. Le diable ne supportera jamais lorsque vous serez résolu à jeûner. Le diable ne voudra jamais entendre le mot jeûne dans votre langage. Ce qui fait que dans beaucoup de sectes qui se disent chrétiennes, on leur interdit formellement le jeûne. Et vous allez constater que lorsque vous prenez la décision de vouloir jeûner, le diable enverra ses agents vous décourager. Vous poussez à renoncer au moment de jeûne. Vous poussez à la colère. Alléluia. Bien aimé, le livre d'Ésaïe 58, verset 6 à 12 dit. Ésaïe 58, verset 6 à 12 dit. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton plein avec celui qui a faim. Et faites-toi entrer dans la maison des malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont l'eau ne tarisse pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Bien aimé, je veux te rappeler quelque chose d'extraordinaire. Pendant ce moment de 21 jours de jeûne, plusieurs parmi vous ont été éprouvés. Ah oui. Plusieurs parmi vous ont été éprouvés par des anges. Tu ne t'es même pas rendu compte. Ce fou qui est venu te demander à manger, bien aimé, c'est un ange que le Seigneur avait envoyé pour t'éprouver. Qui a vécu ça? Ce fou qui est venu te dire, j'ai faim, j'ai faim. L'Éternel avait envoyé un ange pour t'éprouver. Je vous avais dit que pendant ces 21 jours, faites beaucoup d'actions de grâce. Faites beaucoup d'actions de grâce. L'Esprit de Dieu viendra vous éprouver. Faites beaucoup d'actions de grâce. Ne refermez pas vos mains sur vous-même. Alléluia. Il nous reste encore 5 jours. Mon bien-aimé, l'Esprit de Dieu viendra encore t'éprouver. De plusieurs manières. Sois vigilant. Sois en alerte. Ça peut ne pas être un fou qui viendra te demander à manger. Ça peut être quelqu'un qui viendra te provoquer. Ça peut être quelqu'un qui viendra te demander du secours. Qui viendra te demander de l'aide. Ça peut être quelqu'un qui va t'outrager. Alléluia. Soyez vigilants. Et c'est le moment pour nous de faire beaucoup d'actions de grâce. Tu vas demander au Seigneur Jésus ce soir. Saint-Esprit de Dieu. Viens-toi. Nous avons pratiquement fini. Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi d'avoir une vie de jeûne. Donne-moi d'être résolu à jeûner deux fois, trois fois, ou plusieurs fois, selon l'indication que tu me donneras. Seigneur Jésus, donne-moi de mortifier ma chair afin de te plaire. Donne-moi de mortifier ma chair afin de renoncer au mal
Père éternel, tu nous as toujours enseigné que par la mortification de la chair, nous parfaçons notre vie de prière. Parfaçon, ça veut dire rendre parfait. Ça veut dire rendre parfait. Nous parfaçons notre vie de prière, notre vie de sainteté, notre vie de justice, notre vie de vérité. Et nous sommes à ton image. Seigneur Jésus, je veux être à ton image par une vie de jeûne. Non pas pour demander des choses matérielles, mais pour me rapprocher de toi. Non pas pour demander des biens terrestres, mais pour me rapprocher de toi. Je te prie, Seigneur, lorsque tu m'indiqueras de jeûner, lorsque tu me donneras de jeûner, donne-moi la force de ne pas tricher. Donne-moi la force de ne pas tricher. Donne-moi la force de ne pas retourner à mon vomi. Donne-moi la force de ne pas tomber dans la colère. Donne-moi la force de ne pas tomber dans le mensonge. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Demande au Seigneur de te fortifier en ce moment. Demande au Seigneur de te donner d'avoir une vie de prière. Demande au Seigneur Jésus de te donner d'avoir le don de jeûne, d'être habitué au jeûne, que ton estomac soit habitué au jeûne, que ton organisme soit habitué au jeûne, que ta personne soit habituée au jeûne. Prie, élève la voix et prie. Demande au Seigneur Jésus de te donner d'avoir une vie de prière. Demande au Saint-Esprit de te donner d'avoir une vie de jeûne. Que ton estomac soit habitué au jeûne. Que tes entrailles soient habituées au jeûne. Que te donne la force d'apprendre à te mortifier afin d'être semblable à Christ. Comme Christ est semblable à Dieu. Et comme tu es Christ, comme Christ est Dieu. Élève la voix et dis, demande-lui de te donner d'avoir une vie de jeûne. Et d'être résolu à prendre sur toi dans la semaine deux fois, trois fois, deux ou trois jours de jeûne. Et souvent dans le mois, 7 jours secs, ou même dans l'année, 40 jours, 21 jours, selon la dispensation et le plan que Dieu mettra dans ton cœur. Élève la voix et prie. Dieu de te donner ce don merveilleux. Tout chrétien doit jeûner au minimum 2 jours dans la semaine. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. C'est ça la consécration, cette forme de mise à part. Élève la voix et demande au Seigneur ce don merveilleux. Qui est la vie de jeûne? Qui est la vie de jeûne? Il faut apprendre à jeûner. Il faut apprendre, il faut soumettre ton organisme au jeûne. Traite ton corps durement, comme Paul pouvait le dire. Traite ton corps durement par le jeûne et par la prière, par la consécration. Élève la voix et prie, mon bien-aimé. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Que ton estomac soit habitué au jeûne, afin de te rapprocher de plus en plus du Seigneur Jésus. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Prie avec autorité. Demande au Seigneur de te donner d'avoir une vie de jeûne. Plus tu jeûnes, plus tes dons sont élevés. Plus tes dons prennent de la proportion. Plus tes dons spirituels prennent de l'empoint. C'est dans le jeûne et la prière que le don de vision, le don de songe, le don de guérison, le don de miracle, le don de résurrection des morts va s'activer. C'est dans le jeûne et la prière que le don d'interprétation des langues, le don d'interprétation des songes, le don de vision va s'activer. Chrétien, si tu n'as pas de vie de prière, si tu n'as pas de vie de jeûne, tu es déjà mort devant Dieu. Et tu es une victime, tu deviens vulnérable pour le diable. Élève la voix et demande au Seigneur Jésus de te donner une vie de jeûne, Saint-Esprit, de te donner une vie de jeûne, que je jeûne souvent, que j'ai pour habitude de jeûner 2 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, 21 jours chaque trimestre, ou 40 jours, Seigneur, dans l'année. Père éternel, donne-moi d'être à ton image, afin d'avoir une vie de jeûne. Père éternel, que je ne passe pas mon temps à m'embiffer, que je ne passe pas mon temps à être glouton, que je ne passe pas mon temps à faire des excès de table, mais au moins 2 fois dans la semaine ou 3 fois dans la semaine, que je jeûne, que j'intercède pour différents sujets, soit pour les sujets de l'Église, soit pour ma famille, pour moi-même, soit, Seigneur, pour d'autres personnes. Bien-aimé, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, on va faire cette dernière prière et juste après, on va faire cette avant-dernière prière et juste après, nous allons faire la prière de la fin. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Deutéronome 18-19, versets 16 à 19 dit, écoute bien, il y a quelque chose de mystérieux là, il y a un mystère là. Deutéronome 19, versets 16 à 19. Lorsqu'un faux témoin s'éleva contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches
Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Bien-aimé, peut-être que tu ne le sais pas. Mais le diable se fait appeler l'accusateur des frères. Il passe son temps à nous accuser de tout et de rien. Le diable passe son temps à nous accuser de tout et de rien. J'ai la certitude que tu as déjà eu un songe où tu t'es retrouvé devant un tribunal où quelqu'un est en train de t'accuser. J'ai la certitude que quelqu'un parmi nous ici a déjà eu un songe où il s'est retrouvé devant un tribunal où quelqu'un est en train de l'accuser, où un être surnaturel est en train de le défendre. Qui a déjà vécu cela? Il n'y a que deux personnes seulement. Trois personnes. Alléluia. Quatre personnes. Je sais que vous êtes plusieurs. Amen. Oui, le Seigneur Jésus est en train de te montrer par ce tact-là que le diable t'en voulait. Amen. Aujourd'hui, tu seras justifié. Aujourd'hui, tu seras gracié. Je n'entends pas ton amen, mon bien-aimé. Aujourd'hui, tu seras justifié. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus va te justifier. Aujourd'hui, malgré toutes les accusations du diable contre toi, contre ta destinée, l'Esprit de Dieu va te gracier. Lève-toi. C'est l'avant-dernier pilier. C'est la phase décisive. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis devant ton tribunal. Je suis devant ton tribunal. Et ton Esprit Saint est à ma droite. Et ton Esprit Saint est à ma droite. Et le diable est à ma gauche. Et l'accusateur des frères est à ma gauche. Si tu as pris plaisir à ces deux semaines de repentance, si tu as pris plaisir, ferme les yeux, à ces deux semaines de brisement, si tu as pris plaisir à ces deux semaines de repentance, si tu as pris plaisir à ces deux semaines de brisement, si tu as pris plaisir à ces deux moments, deux semaines de jeûne, si le diable m'a accusé forcément, sans preuve, sur une fausse déposition, je te prie de le traiter comme il a voulu me traiter. Je te prie de le traiter comme il a voulu me traiter. Retire-le de moi. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, garde les yeux fermés. Père éternel, maintenant sur la base de ces prières, je déclare que tu retires le diable de tous tes enfants qui les accusaient devant ton trône. Je commande au nom de Jésus que tu retires le diable de tous tes enfants qui les accusaient. Selon Deutéronome 19, versets 16 à 19, je commande au nom de Jésus, devant ton tribunal, tu traites le diable comme le diable voulait traiter l'un de tes enfants. Maintenant même, retire-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, dit. Retire-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean-Jacques. Retire-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je commande, l'Esprit de Dieu retire le diable qui est encore dans ta vie. Pendant que j'entends, le Saint-Esprit traite le diable comme le diable a voulu te traiter. Traite le diable comme le diable a voulu te traiter. Maintenant même, l'Esprit de Dieu le retire de toi. Maintenant même, le Saint-Esprit le retire de toi. Maintenant même, l'Éternel des armées le retire de toi. Il 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 le retire de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il le traite comme il avait voulu te traiter. Le Saint-Esprit traite le diable comme il avait voulu te traiter. Le Saint-Esprit traite le diable comme il avait voulu te traiter. Regarde comment le Saint-Esprit le traite.
Il le traite méchant. Il le traite avec rigueur. Il le traite de toute sa colère. L'Esprit de Dieu traite le diable comme il avait voulu te traiter. Et il le retire de toi. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, l'Esprit de Dieu retire le diable de la vie de quelqu'un. À l'instant même où je parle au nom de Jésus, le Saint-Esprit retire le diable et ses malédictions de la vie de quelqu'un. À l'instant même où je parle au nom de Jésus, il ne trouve plus de repère dans ta vie. Il ne trouve plus de repère dans ta vie. Il ne trouve plus de refuge dans ta vie. Il ne trouve plus de lieu où habiter dans ta vie. Il sort de toi comme il est venu. Il sort de toi avec ses condamnations. Il sort de toi avec toutes ses accusations. Il sort de toi avec ses condamnations. Il sort de toi, David, avec toutes ses condamnations au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu sort de toi. Le diable sort de toi. Il sort de toi. Libère la vie de quelqu'un. Libère-la. Libère-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de lui. Sors de lui. Saint-Esprit de Dieu, traite-le comme il a voulu traiter ton fils. Saint-Esprit de Dieu, traite-le comme il a voulu traiter ta fille. Saint-Esprit de Dieu, traite-le comme il a voulu traiter ton fils. Traite-le comme il a voulu traiter ta fille. Traite-le comme il a voulu traiter ton fils. Retire-le d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retire-le d'eux. Qu'ils sortent avec leurs accusations. Qu'ils sortent avec leurs malédictions. Qu'ils sortent avec leur force de position. Traite le diable comme il a voulu traiter tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, traite le diable comme il a voulu traiter tes fils et tes filles. Traite-le avec toute ta rigueur. Saint-Esprit de Dieu, traite-le avec toute ta colère. Et qu'il se retire au nom de Jésus. Qu'il se retire d'eux au nom de Jésus. Qu'il se retire d'eux au nom de Jésus. Qu'il se retire d'eux au nom de Jésus. Seigneur, traite le diable dans toute ta rigueur. Comme il avait voulu traiter ton fils et ta fille. Traite-le dans toute ta rigueur. Et qu'il se retire d'eux avec leur force de position. Qu'il se retire d'eux avec leur condamnation au nom de Jésus. Père éternel, retire-le. Saint-Esprit de Dieu, retire-le. Retire le diable au nom de Jésus. Elohim, retire le diable. Saint-Esprit de Dieu, retire le diable. Elohim, retire le diable. Retire le diable au nom de Jésus. Traite-le avec toute ta rigueur, Seigneur. Traite-le avec toute ta rigueur au nom de Jésus. Traite-le avec toute ta colère. Sortez-le. Retirez-vous d'eux au nom de Jésus. Retirez-vous d'eux au nom de Jésus. Prenez vos condamnations, vos forces de position. Sortez-le par le paillement, par les fourmis. Sortez-le à gants déployés. Sortez-le. Sortez-le. Ils ont tous été justifiés par le sang de Jésus. Ils ont tous été graciés par le sang de Jésus. Sortez-le. Libérez leur vie au nom de Jésus. Libérez leur vie au nom de Jésus. Sortez-le. Moïse. Sortez-le. Au nom de Jésus. Prenez l'autorité devant Moïse. Sortez-le au nom de Jésus. Soyez vigilants, il y a un esprit qui est dans la vie de Moïse, prenez l'autorité. Hein? Les gars, les démons sont là, vous ne les voyez pas. Sauvez de lui au nom de Jésus. Libérez-les, libérez-les, libérez-les. Retirez-vous au nom de Jésus. Libérez-les au nom de Jésus. Sortez-le maintenant. Sortez du tribunal. Sortez-le. Que l'Esprit de Dieu vous traite avec rigueur et colère. Que le Saint-Esprit vous traite, vous qui accusiez les fils de Dieu devant son trône, de jour comme de nuit, je commande au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous traite comme vous avez voulu traiter les fils et les filles de Dieu. Et qu'il vous retire d'eux au nom de Jésus. Qu'il vous retire d'elle au nom de Jésus. Sentez-le. 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 Par le baillement à grand cri. Par le vomi à grand cri. Maintenant, dans le nom de Jésus.
tête. Lâche sa vie. Sors de lui. Lâche-le maintenant. Libère au nom de Jésus. Ça va être fini pour toi. Dépêche-toi. Lâche-le. Sors de lui. Dépêche-toi. Libérez-le. Allez, dépêche-toi. Sortez-le. Sortez dans le nom de Jésus. Retirez-vous. Venez toutes vos malédictions, retirez-vous au nom de Jésus. Venez toutes vos malédictions et retirez-vous au nom de Jésus. Sortez-vous. Merci Seigneur Jésus de ce combat que tu as béni pour tes enfants et dont la gloire est à toi et la victoire est à nous 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 Seigneur Jésus. Bien aimé, nous avons fini. Je voudrais que tu donnes une grande et forte acclamation. Et Seigneur Jésus, acclame-le pour les dons que tu as donné, pour l'état de ton cœur qui a changé, pour ses alliances, ses commandements, ses statuts, ses préceptes qu'il a mis dans ton cœur, pour les malédictions qu'il a brisées sur ta vie, acclame-le. Auprès du Père, j'ai un avocat. Seigneur Jésus, merci. Auprès du Père, Saint-Esprit de Dieu, merci. C'est Jésus de Nazareth. Les mains en signe de recevoir. Personne ne t'a arrêté. Quand vous tendez les mains devant le Seigneur Jésus, il n'est pas en train de vous tenir à jour. Donc tendez les mains en signe de recevoir. Voilà. Amen. Ce n'est pas comme si il tentait de vous tirer dessus. Gédéon, bonne arrivée. Alléluia. Bien aimé, le livre d'Ecclésiaste verset 8 dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Éternel mon Dieu,
Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tous les dons que tu nous as accordés ce soir. Nous te disons merci pour toutes les malédictions que tu as brisées sur nos vies. Nous te disons merci parce que tu as restauré nos âmes. Parce que tu as mis tes alliances. Parce que tu as mis tes commandements. Parce que tu as mis tes statuts. Parce que tu as mis tes préceptes dans nos cœurs. C'est pourquoi ce soir, nous te bénissons. Parce que tu as changé l'état de nos cœurs, de cœur de pierre que nous avions. Tu l'as changé en cœur de chair. Tu l'as changé en cœur d'enfant. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons infiniment merci. Nous allons rentrer chez nous, Papa. Nous te prions de veiller sur nous, de nous garder dans le creux de tes mains, de nous cacher dans ton sang. Parle-nous, selon Deutéronome 29:29, par des songes, par des visions. Révèle-nous les choses cachées et remplis-nous de dons et de talents. Lorsque nous allons sortir d'ici, que nous ne soyons plus les mêmes personnes que nous étions auparavant. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de progresser devant toi. Donne-nous de nous bonifier et de marcher dans tes voies. Donne-nous de nous abandonner entièrement entre tes mains et de ne faire que ta volonté. De nous soumettre qu'à toi seul et de ne plus retourner en arrière. N'as-tu pas dit dans ta parole qu'on ne peut mettre la charrue au bœuf et regarder en arrière? À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous te promettons de ne plus regarder en arrière. Nous te promettons de ne pas être des fils et des filles de la femme de Lot. Seigneur Jésus, nous allons regarder droit devant nous, ni à gauche, ni à droite, de regarder la promesse du salut éternel qui nous attend à la fin de notre vie chrétienne. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la force de marcher dans tes vertus et que ton Esprit Saint nous accompagne, nous assiste, nous soutienne pendant toute l'exécution de cette œuvre. Pendant toute l'exécution de cette œuvre, que ta paix, que ta joie, que ton amour, que ta vérité, que la bénédiction, que le bonheur nous accompagne tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, rapidement, je veux rappeler que le dimanche prochain, dimanche 27, à la fin du culte, nous avons notre agapé. Donc, prépare-toi. Prépare-toi, mon bien-aimé. Invite quelqu'un, invite un membre de ta famille, invite un proche, invite une connaissance, invite un collègue de service, invite ton voisin à venir assister à ce merveilleux moment que nous allons dédier à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, shalom, shalom, et à demain, 21h. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, 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 le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh, le bonheur et la grâce m'accompagneront.
le bonheur et la grâce, ma compagnie, oui. 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 Le bonheur et la grâce. Oui, tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh, le bonheur et la grâce m'accompagneront, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce. Tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin des jours, tous les jours de ta vie. Jusqu'à la fin du monde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. De ta vie, jusqu'à la fin du monde, tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin du monde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, le bonheur et la grâce m'accompagneront. 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 De ma vie, jusqu'à la fin des temps, tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin du monde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront.